Bonjour à tous et bonne nouvelle année. Aujourd'hui, alors qu'on regarde avec un peu d'impatience pour une année 2021 remplie d'opportunités et d'optimisme, on pense aussi à l'année qui vient de passer. Et quelle année que ce fut! Elle a été très tough. Le virus a eu des impacts sur la vie de tous. Mais tout au long de la crise, on a vu des Canadiens d'un océan à l'autre mettre la main à la pâte, faire des sacrifices et s'entraider. Et c'est surtout le cas des gens qui travaillent sur la ligne de front de la pandémie. Je parle ici des travailleurs de la santé qui prennent soin des personnes malades, de nos aînés et de nous tous. Des employés des épiceries qui s'assurent de garder des étagères bien remplies. Des enseignants et des préposés aux services de garde qui réconfortent nos enfants. Des agriculteurs qui font en sorte que nous avons de la nourriture à mettre sur la table, des gens qui se sont portés volontaires pour aider ceux dans le besoin, des femmes et des hommes en uniforme qui ont aidé nos plus vulnérables. Ils sont tous nos héros du quotidien qu'on encourage et pour lesquels on accroche des images sur nos fenêtres. Parce que tous les jours, ils font passer les intérêts de leurs voisins, de leur communauté et de leur pays avant leur propre intérêt. Donc, comme nous nous apprêtons à clore l'année 2020, prenons un moment pour remercier une fois de plus ceux qui ont sacrifié tellement pour nous. À tous les travailleurs de première ligne, merci. Notre pays vous sera toujours reconnaissant et nous continuerons de vous appuyer à chaque étape. Mes amis, je sais que des jours meilleurs nous attendent. Ensemble, nous traverserons cette crise et nous en sortirons encore plus résilients. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous une bonne année.